Bonsoir, vous l'avez certainement remarqué, il ne se passe plus une journée sans qu'on nous rappelle les gestes essentiels pour sauver la planète. C'est rentré dans les mœurs, on n'utilise plus de sacs en plastique, on économise l'eau, on trie désormais nos déchets. Et pourtant, il y a en France un scandale écologique aux portes de nos villages. Une pollution invisible, inodore, indétectable. Regardez ici, on est au bord d'une rivière, un paysage plutôt bucolique, a priori rien d'anormal, sauf si on a un compteur GGR. Il y a bien de la radioactivité sous mes pieds et elle n'a rien de naturel. Mais depuis des décennies, les autorités ne semblent pas s'en préoccuper, laissant les populations dans l'ignorance face au danger. Dissimulé un peu partout en France. Saturation du radiomètre, 15 000. Là, c'est dangereux. Utilisé pour construire des hangars, remblayer des routes ou des parkings. Pendant une demi-heure, on a déjà un risque qui n'est pas négligeable. Dans plus de 25 départements, 300 millions de tonnes de déchets radioactifs ont été abandonnés sans aucune surveillance, ou presque. Je prends une carte de crédit de mon portefeuille. Voilà, ainsi de protéger. Entre 1945 et 2001, les mines d'uranium françaises ont fonctionné à plein régime pour l'indépendance énergétique et nucléaire du pays. Mais quel est l'impact sur la santé des riverains ou des mineurs? J'ai remarqué que dans les anciens collègues, plus il va, c'est une hécatombe. Pendant des années, les politiques ont ainsi abandonné tout contrôle sur ces déchets de l'industrie nucléaire. Il y a un mélange permanent des genres entre contrôleurs et contrôle. Multipliant même les tours de passe-passe législatifs pour évacuer le problème. On est où là? On est où? Dans l'Union soviétique ou on est en France? On est dans une dictature ou on est dans une démocratie? Malgré les rapports alarmants et la mobilisation de quelques citoyens, depuis 30 ans, rien n'a changé et rien n'est fait pour trouver une solution. Attendez, là, il y a un truc qui ne va pas du tout dans ce pays. Ce soir, Pièce à conviction vous dévoile le scandale de la France contaminée. Notre enquête commence à Guignon, en Saône-et-Loire. Nous sommes ici à quelques mètres du stade de football. L'équipe de la ville s'appelle les Forgerons. Les soirs de match, tous les supporters viennent ici. Pourtant, l'un des deux parkings sur lesquels ils se garent est contaminé, radioactif. Aujourd'hui, jour de semaine, le parking du stade de foot de Guignon est désert. Cet homme va profiter du calme pour effectuer des mesures surprenantes sur ce lieu public. Avec cet appareil, il va évaluer le risque d'irradiation pour les personnes qui viennent dans cette zone. Déjà, faut pas aller loin. Déjà dans le coffre de la voiture. Donc ça veut dire qu'il y en a dessous là. Christian Courbon travaille pour la CRIRAD, le seul laboratoire français indépendant de recherche et d'information sur la radioactivité. Mon appareil indique qu'il y a de la radioactivité là sous mes pieds. Je vais aller vérifier un peu plus loin quand même pour voir si c'est la même chose partout. Bon alors là déjà on pète là, hein, voilà. Vous voyez, il y en a partout là. Il y en a partout. C'est une horreur. Partout, le compteur GGR crépite. Car les experts de la CRIRAD ont découvert que les sous-sols du parking regorgent de déchets radioactifs. Là-dessous, il y a entre 28 000 et 30 000 tonnes de résidus. Sous le parking, à 70 cm de profondeur. Le parking du stade de foot, mais aussi ses alentours, dissimule des milliers de tonnes de cailloux et de boue radioactive. On les appelle des stériles et des résidus. 4 000. Par endroits, il dégage une radioactivité 60 fois plus forte que la radioactivité naturelle de la région. Elle se mesure en chocs par seconde. Là, je suis à 4000 chocs par seconde, sachant que dans le milieu naturel, on a 75 chocs ici, entre 50 et 75. Quoi. Il n'y a aucun panneau, c'est en accès libre, donc ben, nous sommes là, nous, déjà, librement. Voilà, c'est les berges, donc c'est ouvert aux pêcheurs, aux enfants, tout le monde peut venir jouer là, quoi. À part que vous êtes assis sur beaucoup de radioactivité.
Et encore, là, c'est juste l'irradiation. On peut penser que des enfants qui jouent là vont jouer avec cette terre-là et vont se contaminer de façon interne, quoi. Ils vont s'en mettre sous les ongles, ils vont sucer les doigts, ils vont... Voilà. Donc il y a un danger d'irradiation et de contamination. Il y a les deux. L'irradiation, ce sont les doses reçues à proximité de la source radioactive. Mais la contamination, c'est l'irradiation permanente, car notre corps transporte alors une source radioactive. Il y a 220 000 tonnes de déchets radioactifs en plein centre-ville de Gueugnon. Voilà. Cette quantité colossale est consignée dans ce rapport, rendu public en mars 2007. Au total, la CRIRAD a comptabilisé 225 550 tonnes de matière radioactive enfouies dans la zone qui va du stade de foot à la rivière. Ces déchets ont été rejetés par une ancienne usine d'extraction d'uranium située de l'autre côté de la berge. Cette usine, aujourd'hui démontée, était située sur ce terrain vague, entre ces deux hangars. Elle a produit pendant 25 ans du concentré d'uranium pour l'industrie nucléaire. Les Gueugnons ont découvert avec inquiétude le rapport de la CRIRAD. Depuis, l'association locale de défense de l'environnement tente de cerner l'ampleur des risques pour la population. Personne ne sait ce qui s'y est passé, en fait, ici. Ben non, à part les gens du coin, quelques informations, les gens qui ont travaillé. Qui ont travaillé et qui ont donc manipulé toutes ces matières, peuvent témoigner encore, ceux qui sont encore en vie. Un de ces anciens salariés de l'usine a accepté d'aider les habitants à collecter des informations. Jules Rameau a travaillé 25 ans pour l'usine d'uranium, jusqu'à sa fermeture en 1980. Vous y faisiez quoi ? Il était contremaître. Son témoignage est essentiel. L'uranium ici, ça venait en pierre, comme une carrière. Et on concassait, on broyait. Et ensuite, on attaquait à l'acide sulfurique. Voilà. On faisait des précipités, on filtrait. Oui. Et tout ce qui était sable et eau, on envoyait tout ça ici. Même où est le stade, là, les tribunes, ça a été remblayé avec du stérile uranifère. Et donc le stade, il a été fabriqué avec des stériles, sur la base de stériles. Pas tout, mais disons que où il y a que les dernières tribunes, là, c'est sûr. Hein. Là-bas, non. D'accord, mais là, c'est sûr. Là, c'est sûr, parce que c'est moi qui ai remblayé, alors je suis sûr que... Ah, c'est vous qui avez remblayé là? Oui, d'accord. Non. Sous le parking, sous les tribunes du stade, mais aussi sur ce terrain voisin, 225 000 tonnes de matière radioactive ont donc été enterrées, avant d'être simplement recouverte d'une couche de terre. Les résidus radioactifs, ça occupe quoi ? Les premiers. En proportion. En proportion, oui. Je ne sais pas, à peu près un... Aujourd'hui, la décharge radioactive a disparu sous la végétation et Jules Rameau a du mal à en cerner les contours. À peu près de, encore à peut-être 20 ou 30 mètres ici, jusque là-bas au chemin. Au total, les déchets sont enfouis sur 12 hectares de terrain. Quelques années plus tard, la commune a même créé un parcours de santé sur ce site. Depuis peu, il a été démantelé. Là, il y avait des agrès où les gens font leurs petits exercices et ils faisaient le tour du terrain. D'accord. Le tour du terrain radioactif. Donc il y avait un parcours Vita où les gens étaient censés, disons, se mettre en forme. On peut dire qu'ici, il y a eu un travail de désinformation, non-information, on a essayé de faire une démonstration, en fait. Démontrer que ça, finalement, bon, c'est pas si dangereux que ça, finalement. Bien caché dans la nature, vous voyez. Maintenant, c'est très écologique. Laurette et Gérard Wenzel habitent à quelques centaines de mètres du parcours de santé. Pendant des années, ils s'y sont promenés jusqu'à ce qu'ils découvrent que le site était radioactif. Nous les y avons emmenés et là, surprise, Areva a fait installer un grillage quelques jours avant notre venue. Il y a des barrières, elles ont été installées quand ? Eh bien voilà, il y a 15 jours.
ça vient d'être fini. Ça a démarré une semaine avant Noël et ça s'est terminé ces derniers jours. En fait, ici, vous êtes promené pendant des années, voilà, en ne vous doutant de rien. Sans se douter, nous savions qu'il y avait le dépôt de déchets de l'usine Cogéma qui était avant à Guignon, mais sans savoir qu'il y avait un réel risque de toxicité ou de danger. Donc qu'on comprenne bien, hein, ça veut dire que vous étiez là avec le landau, le petit, vous, oui. Monsieur, vous faisiez votre jogging, voilà, ici. Vélo, chien, marche à pied. Marche presque quotidienne. Quotidienne, il y avait un parcours de santé là, donc voilà. Vous faisiez du sport. Voilà. Quoi. On était persuadé que c'était bon pour la santé. Tout à fait, oui. Exactement. Est-ce qu'il y a aussi tout simplement de l'inquiétude? Alors moi, à la limite, je me dis, bon, j'ai fait mon temps, je ne risque peut-être plus rien, ou ce sera trop tard, ça se verra dans quelques années. Vous n'avez pas fait votre... Mais c'est par rapport à mon fils et même notre petit-fils, parce que je suis sûre qu'il nous a déjà accompagnés en promenade sur ce terrain. Et vous avez l'impression qu'on répond à cette inquiétude aujourd'hui? Pas ou qu'on vous laisse un peu seul? Pas du tout. Voilà. On nous laisse seul. Il n'y a encore rien de fait, rien de définitif pour mettre un terme à se laisser aller. Des décharges radioactives comme celle de Guignon, il en existe un peu partout en France. En Bourgogne, en Rhône-Alpes ou dans le Limousin, dans la moitié de nos régions, près de 300 millions de tonnes de matières radioactives sont dispersées dans les campagnes ou les villes françaises. Nous avons retrouvé des images inédites tournées près de Limoges en 1992 par un habitant de la région. On y découvre des camions chargés de résidus du traitement de l'uranium. Ils déversent ces boues radioactives dans une carrière abandonnée, sans autre précaution. Tous ces déchets ont été principalement abandonnés par le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, puis par la Cogéma, la Compagnie Générale des Matières Nucléaires. De 1946 à 2001, ces deux entreprises contrôlées par l'État ont exploité 210 mines d'uranium sur le territoire français. Pendant 55 ans, elles ont fourni le combustible nécessaire pour alimenter nos centrales nucléaires et fabriquer nos bombes atomiques. Pour cette physicienne nucléaire réputée, le CEA et la Cogéma se sont cru tout permis. Ils travaillaient dans leur esprit pour la nation, puisqu'ils s'occupaient de la bombe, ils s'occupaient de faire le développement nucléaire. Et donc, clairement, ils étaient dépositaires du futur du pays. Et ils arrivaient partout en roulant les mécaniques. Ils travaillaient pour la patrie, donc tout le monde devait s'incliner. Cet ingénieur spécialiste de la radioprotection a travaillé pour le Commissariat à l'énergie atomique. Il est pourtant critique. Le commissariat à l'énergie atomique puis l'industriel, ça a été des instruments au service de l'État. Donc l'État est aussi responsable. L'État est d'abord responsable de la santé de milliers de mineurs qui ont extrait, à ciel ouvert ou dans les entrailles de la terre, le minerai d'uranium jusqu'au début des années 2000. Responsable aussi des conditions de travail des ouvriers qui ont transformé dans les usines ce minerai en poudre d'uranium. Dans le Cantal, jusqu'au milieu des années 80, une usine a produit la poudre d'uranium qui sert de combustible à nos centrales nucléaires. Jean-Jacques Mesure est soudeur. Il a travaillé dans l'usine de Saint-Pierre, au contact direct de l'uranate. Cette poudre jaune, ce concentré d'uranium. Il y en avait plus ou moins partout, c'était quand même assez volatile. Donc nous, quand on déposait des vieilles tuyauteries, n'importe quoi, il y en avait dessus. Et bien sûr, on n'avait pas de masque, on n'avait rien. Bon. Mais j'ai vu pire que ça. J'ai vu des trucs aussi que, bon, des fois, on faisait le poste, on arrivait à 5h du matin, il y avait, comment dirais-je, un tapis, où c'est que l'uranate, ils appelaient ça l'uranate, donc, qui arrivait dessus, ça s'est coulé. Et à la sortie de ce tapis, ça s'était bouché. On arrivait, tout ça, oh, ça déborde. Les gars, oh, ils regardaient, il y avait un tas comme ça sur les passerelles. Et bien, comment on faisait ?
Et ça, c'était de l'uranium. Oui, c'était de l'uranium, du uranate, oui. Qu'est-ce qui se passait? C'était un coup de lancer incendie, et puis terminé. C'était lavé, ça coulait à travers les passerelles, ça tombait par terre. À 150 km de là, en Haute-Vienne, une quarantaine de mines d'uranium ont été exploitées jusqu'au milieu des années 90. Pendant 14 ans, cet homme a travaillé dans l'une d'entre elles. Avant qu'il ne perde l'usage de la parole, la CRIRAD a recueilli son témoignage il y a 4 ans. Gilbert Mougnot nous amène à l'entrée du puits qu'il empruntait tous les jours pour aller au fond de la mine. Où est-on exactement? On se trouve devant l'ancien puits de Fanny, siège de Fanny. J'ai passé 14 ans de ma vie. La mine a fermé en 1991. 5 ans plus tard, l'ancien mineur a développé un cancer du larynx. À 50 ans, il est toujours en vie. Ce n'est pas le cas de beaucoup de ses anciens collègues. Plus j'avance dans l'âge, 50 ans, je regarde derrière, des cancers, il y en a partout. Mais j'ai remarqué que dans les anciens collègues, plus j'y vais, c'est une hécatombe. 40, 42, 47, 46. Le dernier, c'est au mois de novembre, 47 ans. Pas mal. On fait une pause. En Haute-Vienne et dans les 210 mines d'uranium françaises, pendant des décennies, les mineurs ont été très exposés. Car il n'existe aucun moyen de se protéger, par exemple, de l'irradiation dégagée à proximité du minerai d'uranium. Comment se protéger contre le rayonnement gamma direct ? On peut rien faire. D'ailleurs, t'as pas de protection. On travaille comme ça. Tu t'aurais pas mis 20 cm de plomb. Tu le traînais. Est-ce que vous avez un suivi sanitaire, vous? J'ai quitté le 6 septembre 91. J'ai été fini après. J'ai signé. J'ai pu le suivi personne de la Cogéma. Pour la Cogéma et l'État, l'extraction de l'uranium a toujours été une activité minière comme les autres, sans danger particulier pour ses travailleurs. Mais il y a 4 mois, une étude épidémiologique française a mis fin à cette version officielle. Plus de 5000 mineurs ont été suivis pendant plus de 30 ans, et les conclusions sont claires. Les travailleurs de l'uranium meurent plus que le reste de la population de cancer. Presque une fois et demie plus de cancer du poumon, presque deux fois plus de cancer du rein. L'analyse de la mortalité des mineurs d'uranium français confirme en particulier l'existence d'un excès de mortalité par cancer du poumon. L'analyse indique également un excès de mortalité par cancer du rein. Ce constat n'est pas celui d'un organisme militant. Il émane de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, un organisme de l'État. C'est ce chercheur qui a supervisé l'étude. Dominique Laurier est formel. Les travailleurs de l'uranium décèdent plus que les autres de cancer. On voit en effet apparaître certains types de pathologies, en particulier les cancers. Et le résultat principal, eh bien, c'est une augmentation de la fréquence des cancers du poumon à l'intérieur de cette population. Chez les mineurs, ces cancers du poumon sont surtout provoqués par le radon, un gaz très toxique dégagé par le minerai d'uranium. Pour le chercheur, ce gaz, mais aussi l'irradiation causée par le minerai, n'est pas sans danger pour les populations. Chez les mineurs d'uranium, la dose maximum au poumon est due au radon. Ce qui ne veut pas dire qu'en effet, sur certains autres types de populations, sur certains autres types d'exposition, on a des connaissances aujourd'hui pour indiquer que des fortes doses de rayonnement gamma peuvent entraîner également des cancers, y compris des cancers du poumon. À Guignon, quels sont les risques pour la population au contact des matières radioactives abandonnées dans la ville? Retour à proximité du stade, de l'autre côté de la rivière. Nous allons cette fois-ci mesurer l'irradiation, c'est-à-dire l'impact de la radioactivité sur le corps humain.
Saturation du radiamètre, 15 000. Là, c'est dangereux. À deux pas de l'ancienne usine démantelée de la Cogéma, l'expert de la CRIRAD a trouvé un point radioactif qui bloque carrément la mesure de son compteur GGR. On sature le compteur GGR au-delà de 15 000 chocs et en débit de dose au contact, on a 20 microsieverts. C'est-à-dire en irradiation ? En irradiation, on a 20 microsieverts. C'est-à-dire en quelques dizaines d'heures, on va passer la limite annuelle admissible. Ici, 15 heures de présence dans l'année suffisent pour qu'un pêcheur assis reçoive 300 microsieverts, la dose maximale admissible sur un seul lieu, fixée par les normes internationales. À l'emplacement de l'ancienne usine, tout a été nettoyé parfaitement. Et à l'extérieur de ce site, dans le domaine public, on est 100 fois au-dessus. C'est incroyable. Avant de quitter Guignon, nous avons croisé à proximité du stade des ouvriers de la Cogéma, devenue l'entreprise Areva depuis 3 ans. C'est pas courant qu'il y ait des travaux sur le site. Nous en avons profité pour rencontrer leur chef de chantier en caméra dissimulée. Depuis que les mesures inquiétantes de la CRIRAD sont connues, le préfet a demandé à Areva de chercher une solution. C'est cet homme qui devrait s'en charger. Nous, on a commencé, si vous voulez, à regarder ce qu'on pouvait faire. Et on a même fait faire des devis. Et là, on attend les décisions qui pourraient être prises. Suivant ce qui sera décidé, ben, on agira. Quoi. D'accord. Là, vous savez que c'est un propriétaire. Là, vous êtes propriétaire jusqu'à la route. Ouais. Donc, ce que je dis, moi, c'est qu'à la limite, on mettait la clôture à la route et basta. Mais bon, ben, c'est vrai que bon, de notre côté, ça arrange bien la commune d'avoir ça pour garer les voitures. Alors voilà. Fermer le périmètre radioactif. Cette simple précaution permettrait de ne pas trop exposer la population. Il y a quelques jours, Areva se serait engagé à retirer les matières radioactives enfouies sous le parking du stade de Guignon. Face à cette situation, Areva a donc décidé d'agir d'ici à la fin de l'année. Un engagement bien tardif, car en attendant, Areva n'applique pas le principe de précaution et laisse le parking du stade de football libre d'accès. Nous avions beaucoup de questions à poser à Anne Lauvergeon, la patronne d'Areva. On nous a rétorqué qu'elle n'était pas disponible. Un agenda trop chargé, sans doute. C'est donc le porte-parole du groupe qui a répondu à l'interview. Pourquoi certaines zones qui sont vraiment accessibles au public aujourd'hui ne sont toujours pas clôturées, alors que vous avez clôturé d'autres zones ? Parce qu'il y a des zones sur lesquelles nous ne souhaitons pas que le public aille. Et ce que nous appliquons, par exemple, à poser des barrières, ouais, nous le faisons en application de la réglementation, mm-hmm, parce que les autorités de protection, l'ADRIR ou l'autorité de sûreté nucléaire nous le demandent. Pourquoi vous ne souhaitez pas que le public y aille ? Parce que ça veut dire que les zones sur lesquelles, qui sont concernées par ces protections ne doivent pas être accessibles au public. Pourquoi ? Donc nous appliquons. Vous n'avez pas répondu à ma question. Parce que la norme ne permet pas et que les autorités donc souhaitent que le public... Donc parce que c'est dangereux ? Non, ce n'est pas forcément dangereux. La norme est dépassée, mais ça n'est pas dangereux. Tout ce qui n'est pas accessible au public n'est pas forcément dangereux immédiatement. Nous souhaitons que là où des questions se posent, ou des doutes existent, le temps que nous apportions les réponses au public et que parfois nous trouvions des solutions ensemble, alors il y ait les restrictions maximales. Moi, je vous propose quelque chose qui est assez simple. On a nous-mêmes fait des prélèvements sur 2 sites où nous sommes allés. Je vous les montre. Voilà, c'est une boîte plombée. On y a mis, je vais prendre ça délicatement parce que c'est dans du plastique, donc moins dangereux, mais quand même radioactif. Ah non, on peut le prendre dans la main. Voyez, moi, je vais le prendre dans la main. Vous pouvez le prendre dans la main, je le prends dans la main aussi, ouais. C'est pas le problème. Je pense que si on enlevait le plastique, il faut dire simplement ça, c'est du sable, c'est du résidu. Donc si on enlevait le plastique, comme c'est du sable, ça peut partir absolument partout dans cette pièce. Et je ne souhaite pas, et j'imagine que vous non plus, vous ne souhaitiez pas que ce soit à tout vent ici, que quelqu'un éternue dans cette pièce. Ça, c'est un radex, je ne vous dis pas ce que c'est, vous savez parfaitement ce que c'est, ça mesure la radioactivité. Et on va donc regarder immédiatement la mesure que on obtient. Quelle est la norme ? On est en microsievert ? Oui, on est en microsievert par heure. Donc là, ça monte à 1,62, ça continue à monter. Bon, voilà. Tolérée pour un individu, elle est par an de 1 millisievert. C'est-à-dire que ce sac, pour arriver à la norme, non pas de danger,
mais la norme acceptée par les autorités, il faudrait que je reste en exposition avec 100 heures, Élise Lucet. Selon la CIPR, Commission internationale de protection radiologique, 10 microsieverts, c'est-à-dire que là, on n'en est pas si loin que ça, par an, d'accord, c'est une dose au-delà de laquelle il existe un risque pour la santé. Si effectivement on est quasiment à 2, au bout de 5 heures, on arrive à 10 microsieverts par an, donc qui est une dose qu'il ne faut pas dépasser pour la CIPR. Mais c'est une dose, Élise Lucet, que vous trouvez à l'état naturel. Voulez-vous moi-même que j'aille chercher une pierre de granit qui est là à notre disposition? Ce qu'on peut faire très simplement, hein, c'est prendre la radioactivité naturelle ici. Oui, parce qu'elle n'est pas dans l'ambiance, mais regardez, Élise Lucet, prenons ce granit. C'est très loin. Prenons ce granit qui est un granit naturel et approchez donc, s'il vous plaît, votre appareil. Bien sûr, avec grand plaisir. Et approchez donc votre appareil et vous allez voir que ce sont... Alors, où est-ce qu'il monte, celui-ci? 0,40. Écoutez, là, voilà, je suis à 0,40. Là, écoutez, franchement, oups. Donc, 0,40. Mais pour vous dire que nous sommes dans des normes... Voilà, donc, attendez, 0,30. 6, 30, 6, tout ça pour ça vous dire que les degrés de radioactivité, c'est dans la nature. Bon. Vous pouvez trouver des pierres là, qui le sont en permanence. Donc ça aussi, 0,36, ouais, c'est 0,37, la moitié donc, de votre sable. Non, là on était à 1,60 et là vous êtes le tiers. Mais ce qui veut donc dire que la radioactivité, elle est bien naturelle. Pas le tiers. Et donc c'est une question d'exposition. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est une question d'exposition. Écoutez, il y a une étude qui a été menée par l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Ça aussi, c'est sérieux. Vous êtes d'accord, hein? Il n'y a pas à discuter. Mais c'est un sujet sérieux. Le médecin du nucléaire, il a mené des études donc, sur les rats après exposition prolongée à de faibles doses. Il y a eu des problèmes sur ces rats de respiration, de comportement, d'alimentation, de reproduction. Donc ça, ça vous fait réfléchir, j'imagine. Mais ça va nous faire réfléchir tous ensemble. Si ces constats de l'IRSN sont confirmés, j'imagine, par d'autres études scientifiques contradictoires. Mais ce sont des sujets sur lesquels il faut énormément travailler, confronter les données, et dès lors qu'on est d'accord sur l'analyse, réviser les normes quand il y a lieu. Est-ce qu'il n'y a pas un moment, dans votre tête à vous, Areva, quelque chose qui serait assez simple à mettre en œuvre, qui est de dire, là où il y a un risque potentiel qui sera peut-être prouvé dans quelques années, on installe des clôtures, on met des panneaux qui préviennent au moins le public qui a peut-être un risque radioactif et au moins les gens n'iront pas se promener des landaus, les enfants n'iront pas ramasser des pierres dans cet endroit-là, on en est certain. Je suis entièrement d'accord avec vous, Élise Lucet, mais je vais plus loin. Je trouverai inapproprié que ce soit Areva qui, de son propre chef, décide sans contradiction et surtout sans concertation avec les autorités de sûreté, avec les... Mais parce qu'aujourd'hui, nous sommes... Mais vous protégeriez la population. Mais vous l'avez dit, et au regard de votre chiffre d'affaires, c'est pas beaucoup d'argent, mettre des clôtures. Mais nous ne sommes pas dans une logique financière en ces matières. La population, elle a droit aux informations, ses élus aussi, et il y a le contrôle des autorités. Je comprends, mais en attendant que toutes ces démarches soient entreprises, ça prend énormément de temps. Est-ce qu'il n'y a pas un principe de précaution? On met des panneaux, on prévient le grand public, et au moins, il n'y aura pas de catastrophe découverte dans 10 ans. Et quand il y a lieu, nous le faisons. Et si je peux me permettre jusqu'à présent, vous n'avez pas découvert de catastrophe. Commune de Saint-Priest-la-Prugne, dans le département de la Loire. Dans la semaine, Arlette Mossan est tailleuse de pierre. Le week-end, elle sillonne depuis plus de 10 ans les routes de son département à la recherche d'une radioactivité pas du tout normale. 700, 800, on a 800 dans la voiture encore là. C'est énorme 800 dans la voiture. Le long de ces routes, des cailloux radioactifs sont nichés sous le goudron. À 60 km/h, le compteur Gégère enregistre à 50 cm du sol 800 chocs par seconde, 4 fois plus que la radioactivité naturelle de la région. On a mesuré des endroits là où il y a 10 000 au sol. Ah oui, d'accord. Malgré le goudron. Oui, on a encore beaucoup là. Oui, c'est énorme en fait. Oui, c'est dans un lieu public, c'est énorme. Quand Arlette détecte un point très radioactif, elle s'arrête pour préciser ses mesures. Comme ici, en plein cœur du village de la Prugne. On a passé plus de 10 000 là. 11 000, 12 000. 12 plus 3, ça veut dire 12 000. Donc c'est vraiment, là, c'est vraiment énorme là. Il y a une grosse pollution là. Ah oui, on passe tout de suite même à 13 000 là. 13 000 chocs par seconde, c'est 65 fois plus que la radioactivité habituelle dans la région.
Et on est en plein village, là. En plein dans le village, les gens passent, discutent. C'est vrai que c'est vraiment énorme, là. Hein. La responsable de l'association écologique des Bois Noirs va faire part de sa nouvelle trouvaille au maire du village. 13 000. On vient de faire une mesure là près de la Bachasse. Donc avec l'appareil, on vient de trouver 13 plus 3, c'est-à-dire 13 000. Ah, quand même. Oui. Depuis son élection en mars dernier, Éric Duret découvre l'ampleur de la contamination. On sait qu'aujourd'hui, la santé publique, la santé de l'individu peut être gênée. Il y a des nuisances au niveau de la santé. Bon, on peut quand même avoir des doutes pour nous et puis pour nos enfants aussi, qui souhaiteraient qu'Areva fasse le nécessaire pour nettoyer cette zone. Nettoyer la zone, c'est-à-dire la débarrasser des déchets radioactifs dispersés un peu partout dans la région. À quelques kilomètres de là, le CEA, puis l'entreprise Cogema, ont en effet exploité pendant 25 ans une mine d'uranium qui a généré des millions de tonnes de cailloux radioactifs, nommés stériles. Les stériles, ce sont ces pierres rejetées par cette machine et dont la teneur est trop faible en uranium pour l'industrie nucléaire. Mais elles sont toujours radioactives. Jusqu'en 1980, ce déchet inutile pour la Cogema a été une aubaine pour le département. À Saint-Priest, depuis que le collectif des Bois Noirs et la Crirade ont révélé l'ampleur de la dispersion, d'anciens employés de la mine se sont mis à parler. Jean-Paul Seignol a été chauffeur de camion pour la Cogema. Sur le site minier, il croisait souvent du personnel de la DDE, la Direction départementale de l'équipement, qui venait se servir. La DDE mettait des pelles. La Cogema dit, voilà, vous chargez là, ils se mettaient sur la verse à stérile, un gros remblai, un gros tas de stérile, ils tapaient dedans, puis ils chargeaient, les camions partaient, alors, à droite, à gauche, n'importe où. Hein. Voilà pourquoi certaines routes du département crépitent. Elles ont été construites sur des stériles, par les services de l'État. Mais c'était gratuit, il fallait l'acheter? Ah ben, normalement, moi, je n'ai jamais vu de facture à main. Peut-être que ceux qui recevaient quelque chose, ils donnaient une petite enveloppe pour le comité d'entreprise, ou savoir, moi, peut-être... Deux, trois bouteilles par-ci, par-là, d'apéro, je sais pas. Hein. Ouais. Enfin, mais il n'y avait pas de bon pesée ni de facture. Hein. Il y avait une bascule, on ne faisait pas. Hein. Ouais. On embarquait et terminé. Hein. La Cogema se débarrassait de ses stériles à moindre frais, mais ne prévenait personne de la nature radioactive de ses déchets. D'ailleurs, vous-même, vous saviez ce que vous transportiez ou quoi? Moi, je savais que c'était du minerai d'uranium, mais minerai d'uranium, pour moi, c'était comme du minerai de fer. Des camions normaux, des bennes, des camions bennes, pas branchés, non. Il n'y avait pas de sigle uranium dessus, j'imagine. Ah ben, moi, il n'y avait pas de sigle, non. Les services de l'État, mais aussi des particuliers, et même des entreprises, se sont servis pendant 25 ans. Pire que les routes, des bâtiments ont en effet été construits sur des stériles. À Saint-Priest, c'est le cas du hangar de Patrick Chabrier. Là, vous avez du stérile, hein. Aujourd'hui, le responsable du laboratoire de la CRIRAD va confirmer qu'il est contaminé. microsievert par heure. Les milliers de mètres cubes de stérile contenus dans ce sous-sol présentent un risque pour la santé des personnes qui travaillent ici. Vous aviez eu un acheteur éventuel? Oui, j'avais un acheteur éventuel, mais bon, il m'avait dit que moi, comme je suis classé au... fiché sur le... en mairie au niveau des terrains pollués, je ne peux pas le vendre tel qu'il est là. Et vous avez essayé d'en parler à Areva ou de manière... J'en ai parlé notamment à Areva et puis ils m'ont dit si vous le vendez à ce moment, on va dépolluer. Mais bon, on ne peut pas trouver un vendeur avant que ce soit dépollué. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Hein. Faut commencer par dépolluer. Après, on peut trouver peut-être un acquéreur. Aujourd'hui, ce chef d'entreprise a l'impression d'avoir été berné par la Cogema. Dans les années 1970, il a récupéré avec son père des milliers de mètres cubes de stérile sur lesquels repose son local. Donc tout ça, toute cette partie s'est remblayée en stérile. Toute cette partie, oui, qui est même un peu au-dessus. Donc vous avez, vous voyez la hauteur. C'était une aubaine de trouver du remblai... bon marché, quoi, pour remblayer le... Sinon,
Je me demande si ça aurait été possible de le faire autrement, de remblayer un truc comme ça. Mais Areva le vendait ou le donnait ? Bon non, il le donnait à une époque et puis après il y a eu... Bon mais... Ça, c'est peut-être pas... On avait peut-être... Après il fallait donner un petit quelque chose à la fin, mais bon... Disons que c'était... C'était pas cher relativement pour du remblai, c'est vrai. Bon, si on avait su ça, on n'aurait pas été le chercher. Hein. Comme Patrick Chabrier, de nombreux habitants regrettent d'avoir accepté les largesses de la COGEMA. Enfin, vous êtes quand même coincé, vous. Ben, on est coincé avec ça, parce que on peut ni vendre ni rien faire, quoi. Dès qu'on trouve une solution, et puis c'est pas... Moi, je voudrais pas laisser un cadeau empoisonné aux enfants, hein. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ça? Ça va devenir quoi, hein? Je sais pas quand même... Après moi, ils vont faire quoi, hein? Il faudrait qu'ils se débrouillent avec ça. Après sa journée de recherche, Arlette Mosson va mettre à jour sa carte radioactive. Un nouveau point rouge pour un nouveau point contaminé. Un de plus parmi les 80 sites qu'elle a répertoriés en 10 ans. En décembre 2007, elle a envoyé ce relevé à l'administration. On leur a donné les résultats sous forme de tableau. Ainsi qu'à la DRIR, à la sous-préfecture. On leur a donné tout ça au mois de décembre l'année dernière. Areva considère qu'il n'y a pas d'urgence et que les normes sont respectées. Voilà. Et nous, on considère qu'il y a quand même des valeurs qui sont très importantes par rapport à la valeur naturelle. Que pense la DRIR, le gendarme de l'environnement régional ? De ses valeurs bien supérieures à la radioactivité naturelle. Nous sommes allés à Lyon, rencontrer le responsable de l'État pour la région Rhône-Alpes. Philippe Ledenvic est aussi délégué de l'autorité de la sûreté nucléaire, la police du nucléaire en France. Nous lui présentons la carte d'Arlette. Du site de Saint-Priest, que vous connaissez sûrement mieux que moi. Donc, je suis même allé cet été, donc... En vacances ? Non, pour le travail, donc justement, pour voir à quoi ça ressemblait. Et donc, sur chacun de ces sites, donc des évaluations de risque ont été conduites de cette façon. Et selon que le risque est supérieur à un certain seuil ou pas, les remblais ont été enlevés ou pas. La réponse qui est apportée sur faut-il ou pas déblayer les remblais, c'est naturellement par rapport au seuil d'un demi-millisievert qui est utilisé comme référence. 0,5 millisieverts. Presque le double des 0,3 millisieverts sur un même lieu que recommande la Commission internationale de radioprotection. Une recommandation que la France est censée appliquer. Visiblement en Rhône-Alpes, la préfecture a fixé sa propre norme, bien au-dessus de ce seuil de tolérance. L'administration régionale chercherait-elle à sous-évaluer l'étendue des risques ? Nous sommes allés dans l'Allier, un département voisin lui aussi contaminé par les stériles, de la mine de Saint-Priest-la-Prugne. Cette fois-ci, pour explorer le parking de ce club de ski de fond, l'ingénieur en physique nucléaire de la CRIRAD va prendre quelques précautions. Comme lui, Bruno Charéron nous demande de chausser des surbottes. Merci. Bon, je mets ça par-dessus mes, voilà, mes oui, chaussures. Oui. Et alors pourquoi on s'équipe comme ça sur un parking ? Comme on va donner quelques coups de pioche pour voir un petit peu la déchirance quand on s'enfonce dans le sol, on va mettre des surbottes. D'accord. Et des gants pour que s'il y a de la poussière d'uranium, on n'en ramène pas sur les mains ni sur les pieds. Plus de 4000 chocs. Là, je sature encore, plus de 5000 chocs. Donc là, il y a un objet, il y a un caillou qui émet plus de 5000 chocs au contact. Et donc, en grattant, on peut monter beaucoup plus. Et ce genre de cailloux, en fait, il y en a absolument partout, sur ce parking, absolument partout, sur toute cette surface ici. Bruno Charéron va nous montrer ces cailloux à fleur de sol, qui contiennent ce fameux uranium de couleur jaune. Vous voyez ? L'ingénieur va mesurer l'irradiation, c'est-à-dire l'impact sur le corps humain de ce caillou radioactif. Donc là, on commence à atteindre des doses quand même relativement élevées, là, j'imagine. Ben là, on est à plus de 20 microsieverts par heure.
C'est-à-dire que si on reste en proximité du caillou pendant une demi-heure, on a déjà un risque qui n'est pas négligeable. Ici, les visiteurs s'exposent autant qu'un mineur au contact d'un filon d'uranium. Le patron du club de ski de fond est conscient du danger. Il est fréquenté en fait toute l'année. Donc il y a constamment des gens qui viennent ici, que ce soit des jeunes, des groupes qui sont des scolaires, des centres de loisirs. Et le personnel est, je dirais, exposé à un danger permanent. Pour les salariés comme pour les visiteurs, à certains endroits du parking, le risque d'irradiation est 120 fois supérieur à la radioactivité naturelle. Alors c'est dangereux, en tout cas ça présente des risques à long terme. On est dans le domaine des très faibles doses, mais ça présente des risques à long terme parce que ces radiations invisibles ont une énergie quand même assez puissante pour traverser d'ailleurs le métal du compteur. Et dans notre corps, elles peuvent créer des lésions dans l'ADN. Donc heureusement, notre système immunitaire arrive à réparer une grande partie de ces lésions, mais pas toutes. Et celles qui ne sont pas réparées peuvent conduire à des mutations dans l'ADN et à long terme, plusieurs décennies après l'exposition, à des cancers par exemple, mais également à d'autres types de pathologies. C'est pourquoi laisser dans l'environnement accessible au grand public des matériaux qui ont ce niveau de radioactivité et une radioactivité qui est éternelle. La période de l'uranium, c'est 4 milliards d'années, ça n'a aucun sens. Retour chez la police du nucléaire. Philippe Le Danvic conteste les mesures au sol de la CRIRAD. Selon le responsable de l'État, cette mesure au sol n'est valable que si les personnes sont allongées par terre. Quelqu'un qui travaille, oui, mais à ce moment, oui. Lui, il court un risque techniquement. Cela étant, la question est de savoir sur quelles mesures vous vous basez. Si vous vous basez effectivement, comme ça figure dans l'étude de la CRIRAD, en prenant la mesure au sol, je suis désolé. Il n'y a personne au niveau du parking de ski de fond qui va rester couché sur le parking de ski de fond. Ça n'a pas de sens. Pour le haut fonctionnaire, la mesure doit se faire à 1 mètre du sol. Et tant pis pour les jeunes enfants ou les jambes de leurs parents. À Valence, dans son laboratoire, Bruno Charéron va nous démontrer, avec un caillou prélevé sur le parking de ski de fond, que les méthodes des services de l'État minimiseraient les risques. Donc là, pour limiter les risques et les doses que vous prenez, je vous demande simplement de passer à 2 mètres. Alors bien sûr, ce qu'on dit, nous, c'est que les gens ne restent pas couchés sur le parking du foyer de ski de fond, mais que par contre, n'importe qui, des enfants, peuvent prendre ces cailloux, les ramener chez eux, et si par exemple ils mettent ce morceau de minerai, par exemple sur leur table de chevet, même à cette distance, par exemple, à une dizaine de centimètres, on a déjà plus de 10 microsieverts par heure, c'est-à-dire, disons, 100 fois le niveau naturel habituel. Et ce qui est très critiquable dans la méthode qu'utilise Areva pour contrôler la radioactivité sur ces anciens sites où il y a des remblais radioactifs, c'est que les mesures qu'ils font sont faites à peu près à 1 mètre au-dessus du sol. Et à 1 mètre au-dessus du sol, on a un niveau qui n'est pas normal. Ici, on a à peu près 7 fois plus que le niveau naturel. On sent bien qu'il y a quelque chose de radioactif, mais ça ne rend pas du tout compte de la quantité de radiation que l'on recevrait si on est au contact de ces matériaux. Et surtout, cette méthode ne permet pas justement de vraiment diagnostiquer la présence de ces morceaux de minerais dans les sols. Au contact, ce stérile irradie jusqu'à 65 microsieverts de l'heure. Ce caillou est donc un vrai déchet radioactif. Officiellement, l'exploitation des mines a engendré 170 millions de tonnes de stérile. Mais il y a plus grave. Nous voici dans le Cantal, à Saint-Pierre, un village en partie bâti sur un ancien site minier. Depuis 30 ans, cette jolie commune vallonnée repose sur 600 000 tonnes de résidus, ces boues rouges issues du traitement chimique de l'uranium. En 1985, le site minier a fermé. En quelques années, il a été effacé du décor par des paysagistes spécialisés dans le réaménagement des anciennes mines. Cet habitant est le secrétaire de l'association qui tente de faire décontaminer son village. Il nous amène sur cet espace de loisirs qui repose sur des résidus. Là, nous sommes sur un terrain privé, propriétaire Areva.
Areva. Bon, ce site, nous déjà on est surpris qu'il ne soit pas clôturé, qu'il ne soit pas interdit au public. Et comme vous voyez, même on attire le public en installant des bancs, en faisant tout en sorte qu'il soit agréable. Mais nous sommes sur un site privé où on a créé ce fameux espace Saint-Pierre. Nous nous dirigeons à présent vers l'ancienne usine qui traitait le minerai d'uranium. Et là, on arrive à l'emplacement de l'ancienne usine. Et sur cette parcelle qu'on voit en dessous de nous, que les ingénieurs de la CRIRAD ont trouvé du yellow cake, carrément. Le yellow cake, c'est de l'uranium ultra concentré, utilisé pour nos centrales nucléaires et nos bombes atomiques. Les paysagistes de la COGEMA ont oublié à Saint-Pierre ce concentré de radioactivité, à peine recouvert par 10 cm de terre. À Saint-Pierre, certains habitants sont très exposés. En bordure de l'ancienne mine, de l'autre côté du village, le maire a fait construire un lotissement d'une quinzaine de maisons où sont logés des employés municipaux. En 1997, Pascal et sa famille ont loué l'une des trois villas construites juste au bord de l'ancien terrain minier. Donc c'était là que j'habitais. Ils l'ont quitté il y a 6 ans. J'ai fait confiance aux gens d'ici, quoi. Aux anciens maires, tout ça. J'ai fait confiance. Je savais que, bon, ben, apparemment, le site était fermé. Il n'y avait aucun souci, quoi. Je pensais qu'il n'y aurait pas de problème, pas de répercussions sur la santé et tout. Pascal connaissait le passé minier du village, mais elle n'avait jamais entendu parler de contamination. Puis, elle a découvert que sa maison était bourrée de radon, un gaz ultra radioactif que dégagent les résidus. Il s'avère que dans cette maison, il y en a un taux très élevé. Vous vous rappelez à peu près le taux qu'il y avait ? Dans la chambre, nous, où on dormait, le taux s'élève à 5000 becquerels par mètre cube, alors que la norme dans les habitations du Cantal est de 161 becquerels par mètre cube. Ah oui ? Oui. C'est quand même inquiétant, hein. Vous vous rendez compte? On a vécu de 97 à 2002 ici. J'ai quand même eu 2 enfants, donc bon, de grossesse, des enfants. Les enfants, quand ils sont tout petits, quand ils sont en bas âge, ils jouent par terre, au sol, ils sont toujours sur leur tapis à jouer. Donc ils sont en contact avec ce radon, parce que le radon, c'est un gaz lourd qui reste quand même assez à ras du sol. Donc c'est quand même eux les premiers touchés par ce gaz. 5000 becquerels par mètre cube, 25 fois plus que la norme admissible fixée par la communauté européenne, qui recommande de ne pas dépasser 200 becquerels dans les habitations récentes. Ces trois maisons sont les plus exposées. Nous avons voulu rencontrer leurs locataires. Aucun n'a souhaité nous parler. On va les préparer à manger. Attends. Depuis 5 ans, la famille Dumas s'est installée dans un autre village. Mais Pascal a voulu savoir si la santé de ses enfants avait pu être affectée. Voici ce que la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Cantal lui a répondu en avril 2007. S'agissant du risque lié au radon, une exposition régulière durant de nombreuses années à des concentrations excessives de ce gaz accroît le risque de développer un cancer du poumon. Mais le premier facteur de risque du cancer du poumon reste néanmoins, et de loin, le tabac. Cette réponse a particulièrement choqué Pascal. Ça m'a beaucoup interpellée, tout ça, parce que mes enfants vont grandir. Si un jour ils me disent comme ça, « Oui, maman, tu savais qu'il y avait dans l'habitation où on est né, où on a grandi, une forte concentration de radon, tu n'as rien fait, tu n'as pas cherché à savoir et tout. » Je vais vachement culpabiliser. Je ne peux pas rester comme ça, les bras croisés, sans rien faire. C'est mes enfants. Puis moi, je n'ai pas envie que mes enfants, quand ils auront l'âge de 30 ans, voire plus, qu'ils aient un souci de santé par rapport au radon. Dans la lettre, les autorités sanitaires s'étaient engagées à dépister toutes les maisons du village et à trouver des solutions pour les habitants exposés. 2 ans plus tard, rien n'a été fait. Mais à Saint-Pierre, elles ne savent peut-être plus par où commencer. Dans ce joli village, même le lac est contaminé. Interdit à la baignade depuis peu,
il a servi de base de loisirs jusqu'en juin 2005. Pourtant, Total Compagnie Minière, l'ancien exploitant de la mine, avait tenté de dissuader le maire de l'aménager en 1987. Je tiens à vous mettre en garde. Des prélèvements mettent en évidence l'influence de la proximité du gisement d'uranium sur la qualité chimique de l'eau. Je dégage par la présente lettre toute responsabilité de la société Total quant à la création de l'ouvrage décidé par votre municipalité. Avant de quitter Saint-Pierre, nous avons pris rendez-vous avec son maire pour lui demander quelques explications. Mais à notre arrivée, il nous a fait faux bond. Officiellement, il était parti en voyage. Depuis, il n'a plus répondu à nos demandes d'interview. Nous quittons l'Auvergne pour le Limousin, la région la plus polluée de France par les déchets des mines d'uranium. Cette fois-ci, ce ne sont plus des villages, mais une ville entière, Limoges et toute sa périphérie, qui a vécu sous la menace de la contamination. Pour les 240 000 personnes de cette capitale régionale, ouvrir le robinet était un geste dangereux, car l'eau potable était chargée en éléments radioactifs, et les habitants n'ont jamais vraiment été informés. En 2004, la mairie de Limoges a commandé à la CRIRAD un rapport sur ses réserves d'eau potable. Ce rapport que nous nous sommes procurés n'a jamais été rendu public par la ville. Voici ce qu'il disait. Les apports en radionucléides au réseau présentent de sérieux problèmes de gestion pour le service des eaux de la ville de Limoges. La maire adjointe chargée de l'environnement a accepté de nous parler de ce dossier sensible. Aline Biardot a découvert la contamination de l'eau potable avec le rapport de la CRIRAD. On n'arrivait pas à savoir comment aborder cette situation de départ de la COGEMA. C'est-à-dire qu'en fait, ils partaient en laissant derrière eux toutes les saloperies, excusez-moi, qu'ils avaient accumulées pendant leurs années d'exploitation. C'était des dizaines d'années d'exploitation. Ils ont quand même finalement, dans cette histoire, reconnu leur faute de manière assez importante parce que... Je pense qu'ils au début, ils ne voulaient pas. Et puis, ils ont fini par l'admettre parce que, de toute façon, la ville de Limoges se serait dirigée tout droit vers du contentieux assez lourd. Et là, évidemment, ça ne faisait pas les affaires de COGEMA. Donc, assez habilement, effectivement, ils ont décidé de mettre la main au porte-monnaie et de régler définitivement le problème. Officiellement, le problème serait définitivement réglé. Mais nous allons remonter étape par étape le cours de l'eau et découvrir que la contamination a seulement été différée. L'eau potable de Limoges vient en grande partie de trois grands étangs situés sur les hauteurs de la ville. Depuis que la mairie a menacé Areva, la multinationale s'active autour de ses réserves d'eau potable. À l'étang de la Crouzille, les pelleteuses achèvent de curer 50 000 mètres cubes de boue radioactive. Avant même la fin des travaux, la lettre environnement du groupe Areva crie victoire. La Crouzille, mission accomplie. Fin octobre, la multinationale a organisé une visite sur place pour la presse et les associations locales. Nous nous sommes invités dans le bus pour écouter cet homme à l'allure détendue, le responsable de l'environnement d'Areva. Donc en fait là, sur votre gauche, vous avez ce stockage qui contient 5 millions de tonnes de résidus de traitement. Et si vous pouvez faire demi-tour ici, on va sortir. Christian Andrès nous amène autour de l'étang de la Crouzille pour nous convaincre que les travaux réalisés par son entreprise ont définitivement décontaminé cette réserve d'eau potable. Donc aujourd'hui, on a une situation où les bassins sont, pour certains, pas totalement remplis, à moitié remplis, avec un contrôle de la qualité des eaux en fin de décantation. Et très rapidement, on a pu voir des eaux qui étaient à très faible teneur en matière en suspension. Parce qu'en fait, il y a quand même eu un investissement ici de plus d'un million d'euros. Je veux dire, il faudrait quand même que cet investissement ait porté ses fruits et que la qualité du travail soit reconnue par tout le monde et qu'on ne soit pas obligé d'y revenir. Le message est clair, circulez, il n'y a plus rien à voir. Première étape de notre enquête dans le Limousin.
Nous retournons sur place avec un habitant de Limoges qui connaît bien le dossier et le directeur du laboratoire de la CRIRAD, Bruno Charéron. Nous allons effectuer des mesures à 100 mètres au-dessus de l'étang de la Crouzille, au bord d'une rivière qui alimente cette réserve d'eau potable. Bruno Charéron va vérifier si cette eau est contaminée. Ici, on a par exemple plus de 1000 chocs par seconde. C'est lié au fait que tout le milieu naturel, toute cette tourbière, toutes ces terres sont contaminées par l'uranium et le radium qui circulent dans l'eau. Donc cette eau qui est chargée en radioéléments se déverse directement dans l'étang de la Crouzille. Et c'est pour ça qu'il a été contaminé et qu'il va continuer à être contaminé. En combien de temps ça va rester un déchet ? Ah ben, si personne n'enlève ces terres contaminées, elles vont rester contaminées pendant des milliards d'années puisque la période de l'uranium, c'est 4,5 milliards d'années. Avant de quitter l'étang de la Crouzille, un ouvrier du chantier est venu nous mettre en garde. Donc restez pas dans le coin, parce qu'à mon avis, il y a la dame qui s'occupe de l'inspection des travaux qui va venir. Ouais, comment ça va ? Parce que les autres au bout du chantier vous ont vu. Restez pas dans le coin. La ville de Limoges a dépêché l'inspectrice du chantier pour nous interdire de filmer ce lieu, que nous avions pourtant filmé avec Areva auparavant. Bonjour. On vient de se faire réprimander par votre collègue. Je pense que c'est pas fini. Moi, je sacrais la panique au bureau. Maintenant, on me demande de venir. Donc, voilà, je viens. Sur la rivière du Limousin, au bout d'un moment... Sur ces rivières du Limousin. Source. Au bout d'un moment, il peut y avoir une façon de faire qui est de ne pas forcément être obligé de demander faire des paperasses en 4 exemplaires pour aller voir. Oui, c'est l'administration, malheureusement. Notre présence dérange. Mais que craignent donc les services de la ville ? Deuxième étape de notre enquête, nous allons remonter à la source de la contamination, au sommet de ces collines, où se trouvent les anciennes mines d'uranium, à 3 km à vol d'oiseau. C'est un pionnier du combat contre les déchets radioactifs qui va nous y conduire. Depuis la fin des années 80, Thierry Lamiro sillonne la région pour accumuler les mesures, les relevés, les photos. Un véritable travail de fourmi. À 500 mètres d'altitude, voici Penny, cette mine à ciel ouvert, bourrée de déchets radioactifs, fermée il y a 15 ans et aujourd'hui remplie d'eau. Alors ce qui est dramatique, c'est que dans un site pareil, comme ils ont laissé remonter les eaux, il y a ce qu'on appelle toutes les fines, c'est-à-dire les particules très radioactive encore, mélangée à tout un panel de produits chimiques, ça baigne dans les eaux et ça part partout, ça part dans tous les cours d'eau. Comme toutes les mines d'uranium, ici, en tout cas en Limousin, sont au-dessus de tout le reste, par courbe de niveau et par gravitation, tout s'en va vers le bas. Donc puis Cogéma s'en lave les mains et puis tout le monde ferme les yeux. Donc c'est vraiment un scandale, vraiment sanitaire. Hein. C'est vraiment dégueulasse d'avoir fait ça. Et il y a des tas de sites comme ça. Voilà pourquoi dans la région, des anciennes mines contaminent continuellement les réserves d'eau potable de la ville de Limoges. Contrairement à ce qu'affirme Areva, le curage des étangs ne serait donc qu'une solution provisoire. C'est d'ailleurs ce que soulignait le rapport de la CRIRAD. Le laboratoire recommandait de détourner les rivières contaminées pour qu'elles n'alimentent plus les réserves d'eau potable. Il faut mettre l'acheminement vers les retenues d'eau réellement hors influence des anciens sites miniers. C'était l'une des 4 recommandations du rapport que la ville de Limoges n'a pas jugé utile d'appliquer. Nous sommes retournés voir la maire adjointe chargée de l'environnement. Notre dossier à nous, c'est les réservoirs d'eau potable. On n'est pas là pour régler le problème de la radioactivité sur l'ensemble du département ou de la division minière de la Crouzille. Nous, notre dossier, c'était l'eau potable. Une fois qu'on a eu trouvé l'arrangement pour notre approvisionnement d'eau potable, on n'avait pas de raison d'aller au-delà. Il reste en fait différentes sources de contamination qui continuaient à polluer cet étang. Honnêtement, dès qu'on aura cette information, je vous assure qu'elle sera traitée au fond parce qu'on n'a pas du tout l'intention de rire avec cette affaire-là. Pour nous, c'est une affaire sérieuse, une affaire de santé publique. La mairie semble découvrir que les vieilles mines contaminent toujours les eaux.
malgré le curage réalisé par Areva. Et nous allons découvrir avec Thierry Lamiro que la multinationale serait aujourd'hui encore très désinvolte avec ses déchets. Sur les hauteurs de l'étang de la Crouzille, c'est ce cycliste qui va nous mettre par hasard sur la piste. Bonjour. Bonjour. On va vous interrompre deux petites secondes. Oui. Si c'est possible, pardon, pour l'effort. Merci. Vous savez que vous êtes vous baladez sur un ancien... site de la Kojima. Oui, avec des mines. Oui. Vous y avez travaillé ou pas? Non, d'accord. Cet été, cet habitant aurait vu passer des convois de camions qui auraient déversé leur contenu en pleine nature. Juste là-haut, là. Là, c'est parti. Il y a eu la terre de ramener de la Crouzille, l'étang de la Crouzille, il y a quelques temps. Ah, parce qu'on est près de Belzane, ici? Non, là, ça n'a pas été mis là, ça a été mis à côté de Bessine, à Belzane. À Belzane. Moi, j'ai vu les camions faire des allers-retours ici. Mais quand? Quelle année? L'année dernière. Mais quand l'étang de la Crouzille a été... En 2007. Là, non, 2008. En 2008. Il a été nettoyé, l'étang de la Crouzille. Donc vous avez vu des camions qui les transportaient quoi? Les camions qui venaient aller-retour. Bah, la terre. Quoi? Bah, vous allez voir là-haut le rajout de terre. Là-haut, là, sur la plateforme. D'accord. Selon ce témoin, il s'agirait des bouts provenant du curage de l'étang de la Crouzille. Quelques centaines de mètres plus loin, nous tombons sur ces milliers de mètres cubes de vases abandonnés en pleine nature. Nous allons mesurer l'irradiation de cette terre encore humide avec un petit compteur Geiger. 0,5 microsieverts, c'est le double de la radioactivité naturelle dans le Limousin. Pourtant, c'est la loi. Depuis qu'elles ont été retirées de l'étang, les boues sont considérées comme des déchets radioactifs qui doivent être stockés à l'abri du public. C'est incroyable de voir ça, quoi. Donc ils sont tellement sur deux que voilà, ils se gênent pas. C'est là qu'on voit que vraiment il y a une puissance totale de la part de tout son fonctionnement du nucléaire en France. Thierry Lamiro sait de quoi il parle. Sur ces images qui n'auraient jamais dû être filmées, il a surpris la COGEMA en train de se débarrasser de ses résidus de traitement de l'uranium. En 1992, pendant des semaines, des centaines de ces camions-bennes ont traversé des villages de Limousin sans aucune précaution. Direction l'ancienne mine à ciel ouvert de Belzane. Avec ses 1 500 000 tonnes de déchets radioactifs, ce site devrait être classé en installation nucléaire de base. Pourtant, l'ancienne mine est aujourd'hui devenue un site modèle, une vitrine que le responsable de l'environnement d'Areva n'hésite pas à promouvoir auprès de la presse et des associations locales. Aujourd'hui, dans ce stockage, on a les bouts de Saint-Pardoux, on a les bouts de l'étang de la Crouzille et les bouts du dernier étang qui a été curé, c'est-à-dire les bouts de Belzane. C'est vraiment un site, je veux dire, qui jusqu'ici est un peu un site pilote. Il est bien évident que toutes les conclusions qui pourraient émaner des études qui sont assez détaillées et poussées sur le site de Belzane pourraient être transposées après sur d'autres sites. L'intégration paysagère est tout à fait correcte. Et puis en plus, ça favorise la biodiversité puisque vous avez des espèces d'oiseaux qui sont tout à fait intéressantes. Le responsable de l'environnement d'Areva a l'air sûr de lui. Pourtant, même l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire considère que cette décharge fuit de toutes parts. Cet organisme, sous tutelle de 5 ministères, est la voix de la France pour la protection des populations en matière nucléaire. Pour le responsable du service de sûreté des déchets radioactifs, Belzane est tout sauf un site modèle. Dans le cas de Belzane, des eaux sortent des ouvrages qui sont aujourd'hui abandonnés, et ces eaux sont chargés en uranium et de manière générale en radioactivité. Donc aujourd'hui, on connaît la qualité de ces eaux et on sait que la qualité de ces eaux ne permet pas un rejet sans traitement vers le milieu environnant, vers le milieu naturel. Pour constater ces fuites radioactives, nous sommes retournés à Belzane. Le portail de ce site, soi-disant sécurisé, était cadenassé. Nous nous sommes contentés d'un chemin de traverse. Donc Bruno, c'est un site fermé et c'est l'une des grandes décharges radioactives françaises d'Areva. Oui, c'est un stockage de résidus radioactifs, qui sont donc des déchets radioactifs. Il y a plus de 1,5 million de tonnes. Et ce qui est choquant, c'est de voir que le grillage, en fait,
et n'est pas complètement fini, on peut passer à travers facilement. C'est un problème qu'on a constaté sur de nombreux sites d'Areva, c'est qu'en fait les grillages ne sont pas entretenus de façon suffisante. Et donc tout le monde peut entrer? Là on le voit bien d'ailleurs, les gens ont l'habitude de passer sur ce petit sentier et ils ont ainsi accès au site de stockage de déchets radioactifs. En contrebas de la décharge, Areva a installé une station de traitement des eaux. Mais à leur sortie, elles sont encore très chargées en éléments radioactifs. Là, ça pète tout de suite. On est à 2000... Ouh là là. Rien qu'à un mètre du sol, déjà. Parce qu'en fait, ici, on est dans une zone de dépôt. C'est-à-dire que l'uranium et le radium qui sont véhiculés par l'eau, ensuite, quand ça déborde, se déposent dans la terre. On est quand même 2000 chocs secondes à un mètre, c'est énorme. Au contact du sol, là, on a même plus de 3000 chocs secondes. Les herbes, la terre, dans cette prairie, les eaux ont tout contaminé. Mais ici, dans ce pré, on a une illustration typique de l'absurdité de la gestion des anciennes mines d'uranium et des stockages de déchets radioactifs, les résidus. C'est qu'en fait, les sites de stockage fuient, ne sont pas étanches, donc les eaux sont contaminées. Elles contaminent ensuite tout le milieu aquatique et les prairies en aval. On le voit très bien ici, toute cette prairie est contaminée à des niveaux qui sont vraiment importants. Le niveau de radiation à un mètre du sol est, disons, 10 fois supérieur à la normale. Et en plus, la terre elle-même est un déchet radioactif. Et pourtant, l'administration laisse Areva continuer à laisser se produire ces écoulements et même à rajouter des sédiments contaminés dans le site de Belzane. Belzane n'est pas le seul site nucléaire où l'administration et Areva ont été négligents. À Saint-Priest-la-Prugne, en Rhône-Alpes, on a aussi stocké des résidus. 2 millions de tonnes de boue radioactive entreposées à 1 mètre sous ces eaux. Ici aussi, le site est soi-disant sécurisé. Alors cette porte s'ouvre absolument sans difficulté. Je prends une carte de crédit de mon portefeuille. Carte de crédit. Voilà. Un site protégé. Dans le pays, tout le monde connaît la combine. Pour la jeunesse du coin, ce site nucléaire isolé permet parfois d'organiser des rêves parties. Le week-end, leurs parents viennent y pêcher en toute tranquillité. Ailleurs en France, la COGEMA a légué aux populations d'autres cadeaux encore plus empoisonnés. Retour dans le Limousin avec Thierry Lamiro. Ce pionnier de la traque aux déchets nous emmène à contre-cœur à Marniac, l'une des anciennes mines. On est les mains nues, on n'a pas de protection respiratoire, on n'a rien, donc il ne faut peut-être pas trop y rester longtemps. Et comme moi, personnellement, je m'en suis pris une bonne tapée depuis de nombreuses années, je ne souhaite pas y rester longtemps. Quoi. Mmh. Notre compteur Gégère ne cesse de biper et Thierry Lamiro est inquiet. Car sous nos pieds, sur ce terrain, la COGEMA a stocké en catimini des déchets très radioactifs. En 1992, il a surpris des camions décharger ses fûts, qu'il a photographiés avant qu'il ne soit enterré. J'ai vu des camions qui arrivaient la nuit avec l'estampille de chez radioactif et qui balançaient tout là, hein, dans cet endroit-là. Officiellement, 176 000 fûts contaminés par le Yellow Cake, ce concentré d'uranium destiné à nos centrales nucléaires, ont été largués en pleine nature. Il y a eu toute une époque aussi, il y a tout un tas de fûts concassés ou pas, pleins ou pas, qui sont mis là, des milliers de fûts. Des milliers de tonnes de déchets radioactifs de nature inconnue que l'administration a laissé disparaître.
Munies de ces preuves, les associations du Limousin ont décidé de porter plainte pour abandon de déchets, pollution et mise en danger de la vie d'autrui. Que j'ai marre devant le tribunal correctionnel de Limoges pour abandon de déchets radioactifs pendant les 50 ans où elle a exploité les mines du Limousin. En juin 2005, pour la première fois, la multinationale française du nucléaire se retrouve sur le banc des accusés au tribunal correctionnel de Limoges. À ce moment-là, les citoyens plaignants croient encore en leur justice. Nous prétendons qu'il y a véritablement un gros problème de pollution, un gros problème de déchets et il faut que la justice passe. 5 mois plus tard, c'est la consternation. Le 14 octobre 2005, la COGEMA est relaxée. Elle sort du tribunal sans la moindre condamnation. Aujourd'hui, l'avocat qui soutenait les associations pense que la partie était perdue d'avance. Areva a profité d'une réglementation taillée sur mesure pour l'industrie nucléaire, un régime d'exception pour ses déchets radioactifs. Alors, la défense d'Areva, qui a été extrêmement efficace, a consisté à dire « Vous devez appliquer les règles du droit minier, qui sont encore une fois extrêmement favorables à l'exploitant, puisqu'elles sont faites pour permettre le développement de l'industrie minière. Donc on applique le droit minier, on applique le droit nucléaire, et la combinaison des deux fait que finalement on a une définition de déchets qui ne permet pas d'englober la plus grande partie de ce que l'on retrouve aujourd'hui dans la nature. Donc au final, officiellement à Bessines, il n'y a pas de déchets pour la justice. Alors officiellement, il n'y a pas de déchets effectivement dans le Limousin, c'est au-delà de Bessines, hein. Il n'y a pas de déchets dans le Limousin aujourd'hui. C'est oui. Surréaliste. Bah écoutez, oui, c'est ça, ça me pose un vrai problème. Nous nous sommes procuré le dossier d'instruction. Avant procès, le juge chargé de l'enquête avait sévèrement pointé du doigt la responsabilité de la COGEMA. Ces faits caractérisent à la fois des modes de gestion non réglementaires de déchets radioactifs, mais encore des négligences substantielles de la part d'une société industrielle d'envergure mondiale. Le juge d'instruction a refusé de s'exprimer. Nous avons contacté un magistrat proche de l'enquête pour lui demander pourquoi le tribunal a relaxé la COGEMA. Il nous a parlé franchement, sans savoir qu'il était enregistré. Tout a été apaisé complètement, la COGEMA s'en fichant totalement. Ils ont suivi l'information d'un œil amusé, d'accord, sans s'y intéresser vraiment. Et vous considérez qu'ils ont été relaxés alors qu'ils n'auraient pas forcément dû l'être? Ah ben, c'est mon avis. Mais... C'est votre avis. Enfin, moi, je suis content d'avoir fait mon travail, parce que dans quelques années, quand on verra les bombes à retardement qu'a laissé la COGEMA, ben, au moins, je ne serai pas mis en cause. Ouais. C'est une satisfaction morale. L'impunité pour le pollueur. En France, le droit suprême du nucléaire a supplanté le droit commun. Au revoir. Cette justice qui s'applique à tous. Aujourd'hui, les habitants des régions contaminées par les déchets des mines d'uranium continuent de se battre pour tenter de léguer à leurs enfants un avenir le moins radioactif possible. En France, le gendarme du nucléaire, c'est l'ASN. C'est cet organisme d'État qui est en charge du contrôle du nucléaire, de la protection des populations et de leur information. André-Claude Lacoste en est le président. Et pour lui, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Ces déchets ne sont pas dangereux. En ce qui concerne les déchets miniers d'extraction, le grand public, la population qui peut y être exposée, n'est pas très informée. Il y a un certain retard dans beaucoup de pays à reconnaître que les résidus d'extraction minière et les stériles sont un vrai sujet. Lorsque vous avez pris vos fonctions il y a 16 ans, maintenant à la tête de l'ASN, est-ce que vous pensiez que ces résidus ou ces stériles étaient dangereux? C'est toujours difficile de se rappeler. Franchement, hein, c'est difficile de rappeler ce qu'on pensait 15 ans avant. Ouais. Mais clairement, à l'époque, dans ce genre de sujet, ma priorité, c'était les déchets
des exploitants nucléaires, les déchets d'EDF, les déchets du commissariat énergie atomique, les déchets d'Areva. Mmh. Et clairement, c'est là-dessus que nous avons mis l'accent. C'est pour ça que nous avons bâti un plan national de gestion des déchets radioactifs, qui a été bâti une loi. Et c'est seulement au cours du temps qu'il nous est apparu qu'il fallait accrocher à ce mouvement de réflexion, accrocher à ce mouvement d'action, le sujet des résidus et des stériles miniers. Donc il y a un temps de retard, c'est bien. Il y a eu un vrai temps de retard. Il y a un vrai temps de retard. Aujourd'hui, pour être très clair vis-à-vis du grand public qui nous écoute, comment vous les considérez, vous, ces résidus ou ces stériles? Est-ce que vous les considérez comme des produits dangereux? Je les considère comme des produits potentiellement dangereux, mais l'ensemble des mesures dont nous disposons nous conduit à penser que, pour le moment, il n'y a pas de danger. Ils sont potentiellement dangereux, mais il n'y a pas de danger. S'il y avait un danger quelque part... J'ai du mal à vous comprendre. S'il y avait un danger quelque part, on interviendrait sur le champ. Quand on dit, et quand la CRIRA dit, ou d'autres disent, il faut mettre des barrières de protection, il faut mettre des panneaux de signalisation, qu'est-ce que vous dites, vous? Votre intime conviction, c'est quoi? Mon intime conviction, c'est qu'il n'y a pas de situation dangereuse actuellement en France. À partir du moment où vous partez du principe qu'il n'y a pas de situation dangereuse, vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas donc de raison de mettre de barrières, de mettre de panneaux, que la population doit pas s'affoler. Je n'ai absolument pas dit ça. Je dis simplement qu'il n'y a pas de raison de prendre des mesures hâtives et brusques. Hein? Et il y a deux façons de traiter le sujet. La première, c'est de définir une doctrine, de l'appliquer au vu d'études que nous présente Areva. Oui. Et la deuxième façon, c'est d'en discuter localement, de façon à ce que les mesures soient partagées par l'ensemble des habitants. Alors ça, je vous comprends, mais en même temps, si vous voulez, nous, quand on enquête sur ce dossier, on se dit, vous ne souhaitez pas de mesures hâtives ou brusques. Ça fait 20 ans que la situation dure, donc pour le moins, il n'y en a pas eu de décision hâtive et brusque. Oui, mais si vous voulez, une décision hâtive et brusque, ce serait une décision consistant à mettre des barrières, à prendre des mesures de recouvrement de telle ou telle masse de déchets, sans savoir pourquoi, sans savoir comment, sans savoir qui en est responsable, sans savoir comment c'est surveillé. On a tendance à se dire que c'est un principe de précaution pour la population. Oui, mais le principe de précaution est un principe tout à fait fondamental. C'est un principe vraiment fondateur hein, pour une autorité de contrôle ouais. comme celle que je préside. Mais encore une fois, faut-il que les précautions soient prises dans des conditions correctement préparées. D'accord. Et en attendant, on ne prend pas de précautions. Je reviens à quelque chose qui me semble important. Il n'y a pas d'études épidémiologiques faites en France sur l'exposition du grand public, c'est-à-dire des gens qui vont aller sur le parking du stade de football de Guignon, qui vont aller sur le parking de Saint-Priest-la-Prugne. Est-ce que vous le regrettez? Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas? Il n'y a pas d'études épidémiologiques sur l'effet des faibles doses parce qu'une étude épidémiologique ne peut pas conduire à une conclusion sur ce sujet-là. Donc vous pensez que c'est inutile? Sur les faibles doses, oui. Une étude épidémiologique est dénuée de sens. Dénuée de sens? Elle est dénuée de sens. Parce que les effets des faibles doses, s'il y en a, oui. sont tellement faibles qu'ils ne sont pas repérables par une étude épidémiologique. Romain Ica, Emmanuel Amara, c'est vous qui avez mené cette enquête. Romain, on le voit bien, cette affaire, elle dure depuis 30 ans maintenant. Comment est-ce qu'on en est arrivé à cet état de secret national, entre guillemets, ce manque de transparence totale sur ce dossier? Il faut remettre ça dans son contexte. On est dans l'après-guerre, le nucléaire a fait son apparition et la France, dans un souci d'indépendance énergétique, a décidé de faire du nucléaire le moteur du pays. C'est le nucléaire triomphant. Exactement, c'est le nucléaire triomphant, celui du général de Gaulle. La France doit être un pays nucléaire, il nous faut la bombe et il nous faut nos centrales qui vont faire notre électricité. Dans ce contexte-là, le déchet qui est généré par la création de l'uranium, évidemment, ça passe au second plan. On n'a pas envie d'en parler. On n'a pas du tout envie d'en parler. Et surtout pas au grand public. Et surtout pas au grand public, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Alors justement, on n'a pas envie d'en parler au grand public, Emmanuel, mais est-ce que d'autres savaient, les politiques par exemple? Alors les politiques en sont parfaitement informés depuis une trentaine d'années. Les rapports circulent, ceux qui doivent savoir sont au courant. Et sur le terrain, ça donne une absence de contrôle pendant une trentaine d'années. Nous sommes nous retournés pour les besoins de l'enquête, dans le Limousin notamment. Et les inspecteurs de la DRIR, donc le gendarme de l'État pour l'environnement, ouais. nous ont avoué à demi-mot que les contrôles avaient commencé seulement à partir de 2004. En France, le nucléaire est un domaine réservé, un précaré où les décisions ne se prendraient qu'au plus haut niveau, à l'Élysée. Nous allons vous raconter comment des ministres et des députés n'ont jamais eu leur mot à dire face à la puissante compagnie qui fournit à la France son combustible nucléaire. Comment la COGEMA, devenue depuis Areva, a réussi à faire passer ses rejets radioactifs pour de vulgaires déchets domestiques.
Notre histoire commence en 1991. Un ancien journaliste, Pierre Desgroppes, a été nommé à la tête du Conseil supérieur de la sûreté de l'information nucléaire. Cette année-là, il rend son rapport sur les dépôts de matières radioactives au ministre de l'Industrie, mais aussi de la Santé et de l'Environnement. Dans ce rapport, il consacre un chapitre aux déchets des mines d'uranium françaises. En 7 pages, Pierre Desgroppes pointe tous les dangers à venir, les quantités énormes de déchets, leur dispersion, et surtout il affirme que la radioactivité des résidus de traitement de l'uranium serait sous-estimée. Le résidu contient encore un peu d'uranium, mais surtout la quasi-totalité des descendants radioactifs de l'uranium, et en particulier le radium-226. Les résidus, ce sont ces millions de tonnes de boue radioactive rejetées dans les campagnes, comme ici dans le Limousin, et même dans certaines villes françaises. Selon Pierre Desgroppes, la dangerosité de ces résidus serait négligée par la COGEMA et l'État. Ce spécialiste en radioprotection va nous expliquer que Pierre Desgroppes avait raison. L'uranium, en général, il n'est pas tout seul. Il a des enfants radioactifs et il en a une douzaine ou une quinzaine. Et on a dit on se préoccupe que du père et pas des enfants. Or, il se trouve que les plus toxiques, ce n'est pas le père, sont les enfants. Et donc, on a tiré un trait sur les enfants qui sont la préoccupation majeure aujourd'hui. C'est un non-sens scientifique et technique. Ces enfants très radioactifs de l'uranium devraient être pris en compte car ils restent présents dans les résidus de traitement. Le directeur du laboratoire de la CRIRAD va nous le démontrer. Voici un échantillon de ces résidus prélevé à Belzane, près de Limoges. Bruno Chareron va le placer dans un spectromètre, un appareil qui va mesurer l'importance de la radioactivité des enfants de l'uranium. Ce pic très intense, il est lié au radium-226. Mmh. L'activité est très importante dans cet échantillon. Alors que ce tout petit pic ici est lié à l'uranium. Il est beaucoup moins intense. Il n'y en a plus beaucoup. Et c'est logique puisque c'est du résidu d'extraction de l'uranium. L'uranium a été extrait. Ce résidu, sa dangerosité est fortement sous-estimée parce que la réglementation, pour faire court, demande de ne prendre en considération que la radioactivité liée à l'uranium, en oubliant finalement la radioactivité qui est beaucoup plus forte, beaucoup, beaucoup plus forte, et qui est liée à ses descendants, le radium-226, le radon, le polonium, le thorium-230, etc. Il y a 18 ans déjà, Pierre Desgroppes avait tiré la sonnette d'alarme. Son rapport est tombé dans les oubliettes des ministères. Pourquoi la réglementation française fait-elle toujours l'impasse sur la réelle radioactivité des résidus? La réponse se trouve à l'Assemblée. En 1991, 6 mois après le rapport Desgroppes, la première grande loi sur la gestion des déchets radioactifs est votée à l'unanimité. Cet homme en est l'auteur. Malgré les mises en garde, la loi Bataille a fait l'impasse sur les déchets radioactifs des mines d'uranium. Pourtant, depuis 20 ans, ce député socialiste participe à la fabrication de toutes les lois sur le nucléaire. Il est censé connaître la question sur le bout des doigts. Est-ce que cette réglementation ne pose pas question ? J'ai pas... En tête, par cœur, les termes de la loi. Si l'on prend un résidu des mines d'uranium et qu'on le pose sur un spectrogramme, on va s'apercevoir que l'activité radioactive de l'uranium est assez faible, mais que sur le spectre, le thorium et le radium, par contre, envoient une radioactivité oui, importante. Mais je ne suis pas convaincu que ça ne soit pas pris en compte. Je vous l'assure. Je ne vais pas vous donner là maintenant de réponse précise, mais c'est à vérifier. Nous avons vérifié. Aucun article de cette loi ne prend en compte la dangerosité des résidus. Et le député n'a manifestement pas compris le problème. Quand on imagine que
C'est un minerai dont on a extrait l'uranium. Il ne doit pas rester grand-chose. Hein. Le thorium, le radium, tout ça. Et les enfants de l'uranium. Oui. Plus toxique que l'uranium. Oui, oui. L'importance de la radioactivité des déchets des mines d'uranium aurait-elle échappé à Christian Bataille ? À l'Assemblée, une ancienne députée du même camp politique a pourtant tout tenté pour changer la réglementation. En 1997, Michel Rivasi entre dans l'hémicycle. La COGEMA retraite sur son site de la Hague des comptes. La nouvelle députée connaît parfaitement le dossier, car elle a participé 11 ans plus tôt à la création du laboratoire indépendant de la CRIRAD. Michel Rivasi va donc proposer de faire un nouveau rapport sur les déchets radioactifs. Et pour cela, il lui faut intégrer l'Office parlementaire des choix scientifiques, chargé de ces questions à l'Assemblée. À l'Office parlementaire, j'ai demandé à être saisi sur ce dossier de la gestion des déchets radioactifs. Et puis on m'a dit non, il y a le député Bataille, le député Ledéo qui s'en occupe depuis des années, ils sont compétents dans ce domaine, non, occupe-toi de la bioéthique. Alors non, je n'ai pas accepté et je me suis bagarrée. Il a fallu que j'aille voir Laurent Fabius, il a fallu que je me bagarre vis-à-vis de certains députés du Parti Socialiste et j'ai fini par l'obtenir. C'est donc contre son propre camp politique que Michel Rivasi se bagarre. Je vous remercie au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. En mars 2000, après 6 mois d'enquête, lorsqu'elle présente son rapport à l'Office parlementaire, une nouvelle surprise l'attend. Mais avec des interventions. D'habitude, tous les rapports, bon, ça se discute, il y a des amendements qui sont apportés, etc. Tandis que là, on m'a dit, ton rapport, on ne l'accepte pas. Alors que je n'avais pas pris de position pour ou contre le nucléaire. Pour moi, quelle que soit la position qu'on a, moi, je pense qu'il faut bien gérer les déchets radioactifs. Si vous voulez, il n'y a pas de discussion objective au niveau des députés présents que c'est à haut niveau que ça se décide et que nous, on doit tout avaliser. 9 ans après le rapport des GROP, le rapport Rivasi est à son tour enterré. La réglementation ne changera pas. La radioactivité des résidus reste sous-évaluée. Sur les 210 sites d'uranium qui ont été exploités, la loi impose tout de même à Areva de contrôler les risques pour les populations. Mais le fait-elle vraiment? Pour s'en assurer, nous sommes allés près de Limoges, rencontrer le laboratoire qui réalise la plupart des contrôles. En arrivant sur place, surprise, l'adresse correspond au siège d'Areva Environnement. Nous avions pourtant pris rendez-vous avec un laboratoire officiellement indépendant. Nous allons découvrir que ce laboratoire, ALGAD, a longtemps appartenu à la COGEMA. ALGAD est issu des équipes du commissariat à l'énergie atomique qui était en charge de la surveillance radiologique des mines d'uranium depuis le démarrage des mines d'uranium en France dans les années 50. En 93, nous avons été filialisés par COGEMA puisque nous étions une filiale de la branche mine de la COGEMA. Et en 2003, nous avons été rattachés à un groupe de laboratoires lyonnais. Jusqu'en 2003, ce laboratoire qui mesure la dangerosité des déchets radioactifs appartenait donc aux propriétaires des mines d'uranium. Mais alors, que valent les mesures de surveillance réalisées par ALGAD sur les sites d'Areva? Retour dans le Cantal, à Saint-Pierre, ce village construit sur 600 000 tonnes de résidus radioactifs. Direction, le lotissement communal. Cet expert du laboratoire de la CRIRAD mesure la radioactivité dégagée par les résidus le long des jardins. 2000 coups secondes, 1000, 800, 700... Nous arrivons à proximité d'un capteur de surveillance placé par ALGAD pour le compte d'Areva. Et là, on arrive sur une machine qui mesure aussi là, la,
Voilà, voilà, là on arrive sur un dosimètre de site, c'est ce qui fait les mesures légales. Elles sont bien situées pour vous? Bah, disons que là, au pied de cet appareil, on est à 460 chocs, 480 chocs. Quand on remonte le long de cette clôture, on a des points à 2000 chocs. Et ça va de 700, 800, 1000, 2000, voilà. Et il est au point le plus bas. Là, je peux pas dire autre chose. D'accord. C'est bizarre. S'agirait-il d'une erreur? Quelques centaines de mètres plus loin, voici un nouveau capteur de contrôle. Là, on est à quel niveau, à peu près, ici? Donc, là, on est à 700 chocs secondes. Si je fais quelques mètres, je vais monter à 3 fois, 4 fois cette mesure-là, quoi. D'accord. Donc, c'est vrai qu'on peut mesurer sur un site très contaminé. On peut mesurer pas grand-chose, si on veut. Tout dépend de l'endroit où on va poser la station de mesure. Donc, ces machines ont été posées par l'exploitant, à l'endroit où l'exploitant a bien voulu les poser. Et elles sont posées opportunément ? Elles sont posées pas forcément opportunément, non. On n'a pas la même conception de... Au cours de notre enquête, tous les capteurs que nous avons croisés ne se trouvaient jamais sur les points les plus forts de radioactivité. Et c'est bien le problème. Car ce sont les mesures faites par ces capteurs qui sont transmises aux organismes de l'État chargés de veiller sur la santé des populations. C'est ce qu'a découvert Corinne Lepage lorsqu'elle est devenue ministre de l'Environnement en 1995. Je donne un exemple qui est une réalité. Je vous disais que je me suis un peu occupée de l'Opri. J'ai demandé à l'Opri, l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, qui était chargé de contrôler la radioprotection, c'est-à-dire l'aspect santé, comment ils faisaient leurs mesures. J'ai demandé d'abord à leur directeur, j'ai pas eu de réponse. Au bout d'un mois ou un mois et demi, j'ai envoyé un courrier, je n'ai pas eu de réponse. J'ai envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui n'est pas dans les usages de l'administration, hein, pour apprendre que l'OPRI ne faisait aucune mesure et qu'elle se contentait de celle que la COGEMA lui transmettait. Donc nous avons en fait un système dans lequel il y a un mélange permanent des genres entre contrôleurs et contrôlés. C'est-à-dire que ceux qui sont chargés du contrôle sont en réalité ceux qui sont chargés de faire en sorte que l'industrie du nucléaire n'ait strictement aucun problème de quelque nature que ce soit. Pourtant, l'État dispose de ses propres contrôleurs censés mesurer la radioactivité et le respect des normes sur le terrain. Dans leur préfecture, que font donc les inspecteurs des DRIR, ces gendarmes de l'environnement, au niveau régional? Retour à Limoges, la capitale du Limousin, la région la plus contaminée de France par les mines d'uranium. Souvenez-vous, c'est ici qu'en 2005, la COGEMA s'est retrouvée devant les juges pour abandon de déchets. Avait porté plainte. Sur les contrôles qu'effectuait l'État sur l'industriel. Son directeur juridique avait cherché à se procurer les contrôles effectués par les inspecteurs de la DRIR depuis 10 ans. Peine perdue. On s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun rapport d'inspection et notamment aucun contrôle inopiné qui avait été fait par la DRIR sur les sites. Donc en fait, la conclusion, c'est qu'il n'y avait jamais eu aucun contrôle. La conclusion, c'est qu'il y avait eu une réception des informations envoyées par Areva, c'est-à-dire un suivi de l'autocontrôle Areva, mais une confiance telle dans l'entreprise publique qui était une connivence telle que la DRIR n'a jamais d'elle-même décidé de faire des contrôles inopinés sur certains sites. Pourquoi les inspecteurs de l'État ont-ils donné carte blanche à la COGEMA? Pourquoi n'ont-ils pas contrôlé les anciennes mines d'uranium? Peut-être parce que ces ingénieurs formés à l'école des mines ont été longtemps placés dans les préfectures par le patron de la COGEMA, en personne. Le directeur général de la COGEMA, qui était M. Sirota, se trouvait en même temps le patron du corps des mines, c'est-à-dire le patron de tous les gens qui étaient chargés d'inspecter les centrales nucléaires et bien entendu l'usine de La Hague. Et là, il m'apparaissait
une incompatibilité totale. Mon collègue de l'industrie y aurait été assez d'accord avec moi, M. Borotra, auquel je rends hommage, pour que M. Sirota choisisse entre les deux postes. L'Élysée, à l'époque, n'a pas été d'accord. Jusqu'en 1999, Jean Sirota était le PDG de la Compagnie Générale des Matières Nucléaires, mais aussi l'homme qui pouvait faire ou défaire la carrière des inspecteurs de l'État, chargés de contrôler son entreprise. C'est-à-dire que c'est lui-même qui nommait les inspecteurs des DRIR qui allaient contrôler la COGEMA. Et nous, à l'époque, moi j'étais présidente de la CRIRA, et j'avais fait un recours gracieux en disant « Attendez, là ça va pas ». Ce monsieur Sirota, il est jugé parti. Il va nommer les inspecteurs qui vont le contrôler. Mais on est où, là? On est où, dans l'Union soviétique ou on est en France? Hein, on est dans une dictature ou on est dans une démocratie? Nous avons contacté Jean Sirota. Il a refusé de s'exprimer sur ce sujet. La ministre de l'Environnement, qui avait tenté de limiter ses pouvoirs, affirme que l'industrie nucléaire ne traite qu'avec l'Élysée. C'est pas chez le ministre que les décisions se prennent en matière nucléaire. Jamais. Je vois pas un seul exemple où c'est chez le ministre que les décisions se sont prises. Ça se décide d'abord au sein du lobby nucléaire, qui, je suppose, propose au président de la République. Je sais pas comment ça se passe, mais enfin, je suppose que c'est quelque chose comme ça. Et c'est au niveau du président de la République que les grands choix se font. Faut pas rigoler, c'est pas au niveau des ministres. Au printemps 97, quand Corinne Lepage quitte son fauteuil de ministre, une écologiste pure et dure va la remplacer. Mais il lui faudra aussi s'incliner. Dominique Voynet n'était pas disponible pour en parler, mais nous avons retrouvé le conseiller de la ministre de l'Environnement jusqu'en 2001. En arrivant au gouvernement, Roland Lagarde et sa ministre verte connaissent bien le problème des déchets des mines d'uranium. Ils vont tenter de faire passer les fameux résidus dans des installations nucléaires de base, des INB, des sites sécurisés, comme les centrales nucléaires. Les sites, vous savez, de stockage par exemple, ils auraient dû tous basculer en installations nucléaires de base. Alors ça, c'est toute la question, voilà. Ça, c'est toute et la question. Et alors pourquoi, par exemple, cette question n'est pas... Parce qu'à chaque fois qu'on a essayé, alors pour le coup, de l'aborder en disant qu'il faut considérer que tout ça, c'est des INB et les traiter comme des INB, eh bien, on n'a jamais... on a perdu dans toutes les interministérielles. Donc, à partir de là, quand vous êtes mis, vous avez quoi la possibilité de démissionner en disant « je claque la porte parce que c'est intolérable » ou de faire avec. Et si vous avez d'autres sujets que vous considérez qu'il faut faire avancer, claquer la porte, c'est la mauvaise solution. Donc, c'est les contraintes d'exercice du pouvoir. Il y a 18 ans, Pierre Desgroppe avait insisté sur la nécessité de mettre les 50 millions de tonnes de résidus radioactifs à l'abri. Ils devraient être soumis à la législation des installations classées et même, dans certains cas, à celle des installations nucléaires de base. Aujourd'hui, les résidus reposent dans des sites qui sont parfois ouverts au public. Regardez bien ce film de communication réalisé pour la COGEMA en 1999. Le deuxième producteur mondial de combustible nucléaire explique comment ces 210 mines d'uranium françaises ont été restituées à la nature après leur fermeture. Nous réaménageons pour faire en sorte que la nature puisse finalement se rétablir le plus facilement possible. Nous sommes un peu des facilitateurs, en quelque sorte, pour que la nature puisse reprendre ses droits. Pour que la nature reprenne ses droits, la COGEMA a enterré les déchets de ses mines d'uranium. Elle a recouvert des millions de tonnes de résidus, ces boues radioactives, avec des stériles, ces cailloux radioactifs, avant de déposer sur le tout une couche de terre pour faire un beau décor. Nous sommes intervenus pour les préconisations de végétalisation pour répondre à la restauration écologique du site. Alors les deux grands principes fondamentaux, c'est l'intégration paysagère, éventuellement aussi favoriser le retour de la faune sur le site. Avant, après, et voilà le travail. Partout en France, de beaux espaces naturels, des bases de loisirs, des habitations dissimulent des millions de tonnes de matière radioactive.
des décharges invisibles qui risquent très vite d'être oubliées. C'est bien vous qui avez la main sur ce dossier. On vient d'entendre Corinne Lepage et Dominique Voynet qui ont eu le sentiment à chaque fois d'être écartés du dossier du nucléaire. Écoute, je crois que les temps ont changé de ce point de vue-là. Dieu merci d'ailleurs, sous la pression générale de l'opinion publique, de la société civile, ce qui était un peu un truc caché, je ne porte pas de jugement de valeur, je constate, ouais. Parce qu'il y avait une espèce d'origine nucléaire, militaire, il y avait d'abord des sites militaires. C'était le domaine réservé du président de la République. C'était un domaine globalement réservé pour gens sérieux, qui pensaient à l'avenir, à la place des autres, ou de la société civile. Donc ça, c'est vrai. Ça fait 20 ans maintenant, même plus de 20 ans, hein, que 300 millions de tonnes, c'est pas rien, ont été disséminées dans 25 départements français. Ça veut dire qu'il y a plein de régions concernées. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un problème grave qu'il faut prendre enfin à bras-le-corps ? Non, c'est pas bien d'utiliser des résidus, des éléments excavés de mines, de ça ou d'autres choses d'ailleurs, c'est pas le seul sujet, pour faire des remblais, et de surcroît, à quelques endroits, on peut faire des quartiers à côté, un stade municipal ou je sais pas quoi. Bon, moi, mon problème est assez simple, c'est récupérer le retard, être transparent, et pour prendre les mesures, avoir de l'information objective. Et en même temps, mon métier aussi, ma responsabilité, c'est d'être prudent dans tous les sens. Prudent, principe de précaution, et prudent pour qu'il n'y ait pas un affolement là où ce n'est pas objectivement justifié. Je me méfie des deux. On vous sent très concerné par le sujet, on sent que vous avez envie de prendre des décisions, mais vous savez ce que c'est quand on est dans les bureaux, on est parfois un peu loin de la réalité. La réalité, c'est ça. Et la réalité, ce sont ces bouts de résidus ou cailloux qu'on a rapporté des endroits où nous avons tourné. Donc vous les voyez, il y a le sigle nucléaire, je prends ça avec délicatesse parce que ça peut être dangereux. Je branche un radex et on va voir ce que ça donne tout de suite. Donc vous entendez que le compteur crépite. Le compteur est en train de monter, il est à plus de 8, 9... Ça y est, il sature. Le compteur est en train de saturer. Donc, on est bien au-delà des normes. Ça veut dire que si on reste autour de ce boîtier pendant un certain temps, il y a des risques non négligeables de cancer. Je ferme. Boîtier plombé. Je ferme. C'est pas la peine qu'on prenne des risques et qu'on vous en fasse prendre. Ce qui nous a étonnés, nous, c'est que ça, on l'a trouvé dans des sites où il y a des enfants qui vont jouer. On l'a trouvé au bord d'une rivière. Mais pourquoi on en fait ? On l'a trouvé près d'un parking, d'un truc de ski de fond. Donc vous comprenez, il y a des enfants qui vont là. Et pourquoi vous ne m'avez pas téléphoné ce jour-là que je viens de voir ? Ah ben écoutez, on vous téléphone quand vous voulez. Si vous m'expliquez que vous trouvez un produit dangereux, d'abord vous avez une obligation légale, qui est l'article 40. Ouais. Hein, vous devez me prévenir, c'est une obligation, enfin toute personne détroitise l'autorité. Vous auriez dû aller immédiatement chez le maire, chez le procureur de la République, chez le ministre, dire, attendez, là il y a un truc qui ne va pas du tout dans ce pays. Mais vous rendez compte que vous avez gardé ce secret. Mais non, pas du c'est tout. Très, c'est pas très, un secret, très grave. On vous le dit à vous, ministre. C'est encore plus important. Mais avec retard, avec retard. Et au moment où on dit, et vous le dites plus qu'un autre, hein, à monsieur et madame tout le monde, faut trier ses déchets, éteignez les lampes avant de sortir, faites attention, ne faites pas trop couler l'eau quand vous brossez les dents, etc. Si on a l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures, c'est qu'à nous, on nous demande de changer nos habitudes radicalement, et vous avez raison de le faire, et que d'autre côté, il y a des déchets autrement plus dangereux. Vous savez... il n'y a pas de poids de mesure. Le seul problème qu'on peut avoir, c'est pour tout le monde le faire, que ça traîne pas, que ça soit pas reporté au lendemain, parce qu'il y a un autre enjeu. Mais vous sentez ce que je veux dire, hein? Les Français, bien, ils ont le sentiment qu'on leur demande de faire des efforts. Moi, je peux vous dire que j'en demande. C'est la moindre des choses. Je demande juste à Areva, qui maintenant est responsable, clairement, juridiquement, financièrement, de faire son boulot. Je demande d'avoir le rapport d'enquête, je demande d'avoir... Enfin, la radiographie, maintenant, on l'a. On va vérifier avec les préfets qu'il n'y ait pas des endroits où il y a des enlèvements d'ordre banal, mais qui pourraient être peut-être pas si banal que ça. Mmh. Bon, c'est même très très peu, si c'est pour aller faire un lotissement, c'est pas pareil qu'un poil plus pour aller faire un truc, je sais pas où. Enfin bon, donc il faut analyser tout ça. On s'est mis en situation de le faire.
Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Clôturer, mettre des panneaux, ça tout ça, dans un an, tout est fait. Ah ben, j'ai... Non, plus vite que ça. Moins que ça. Ah oui, oui. Ah ben oui. Mais vous savez, je veux dire quelque chose. Un truc comme ça, c'est pas plus compliqué de faire vite. Donc on peut dire à nos enfants que le problème sera réglé. Ce sujet-là, c'est-à-dire les résidus des fermetures du passé, qui ont été traités de manière négligente, on peut le dire comme ça, ce sujet-là, oui, sera traité, oui. C'est la fin de cette émission, mais nous sommes loin d'en avoir fini avec ce dossier que nous laissons en héritage aux générations futures. La durée de vie de l'uranium, sachez-le, est de 4,5 milliards d'années. On se retrouve au mois d'avril pour une nouvelle enquête de pièces à conviction, dans un instant, soir 3. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.